Dictateur Togmar. Tiré YT. Bon, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Epic Games. Alors, y a pas. Si, je crois qu'il y a un défi à faire là. Noni. Là, y a un défi, wesh. Non? Bon, du coup, j'ai fait une imp. C'est la crise. Du coup, c'est la merde. Voilà, attaquer la colline qui est là. Voilà. Bon, en fait à la base c'était pour vous parler un peu, pour discuter un peu. Mais c'est vrai que c'est un début de game assez what the fuck, hein, disons-le clairement. Bref, en gros je voulais vous discuter un peu de. Discuter avec vous un peu de l'actualité là. L'actualité bah qui me concerne. C'est sur ma chaîne, peut-être que ça peut vous intéresser, ce que je me dis. Merde, il me manque un point de vie. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, c'est par rapport à la, bah, à la Team Season, là. Du coup, Team Season que du coup j'ai quitté, les amis. J'ai quitté, je vais vous la faire courte, mais c'est pour comme ça vous soyez tous au courant. Donc en gros, pourquoi j'ai quitté la Team Season? Bah tout simplement parce que, en fin de compte... moi c'était, bah je vais vous retracer l'histoire vite fait quand même. Quand même, alors il se passe rien de particulier vers ici. Donc en gros moi j'ai été contacté par eux, en gros pour intégrer la team. Et du coup je trouvais ça cool, assez intéressant. Pourquoi pas, tu vois, avoir un peu d'entraide et tout sur sur YouTube et sur le jeu, histoire de step up, de s'améliorer sur le jeu grâce à la team. Et sur YouTube, pourquoi pas, bah, step up aussi quoi, grâce à la team, en faisant des trucs un peu cool quoi, avec eux. Et donc bah, comme vous avez pu le voir, si vous suivez mes vidéos, normalement si vous regardez celle là c'est cool, si vous suivez mes vidéos et mes lives, bah, en fin de compte vous voyez qu'il n'y a pas eu trop d'interaction depuis que je suis dans la team avec les membres de la team. Sur les lives, ils sont passés que quelques fois en PP. Et jamais j'ai pu faire une vidéo avec eux sur le game de MM ou quoi. Parce que tout simplement, ben, on jouait jamais ensemble. Donc, en gros, j'ai vu que on s'apportait pas grand chose mutuellement. Eux, ils ne m'apportaient pas grand chose. Et moi, je ne leur apportais pas grand chose non plus. Parce que bah moi ma priorité c'était ma chaîne YouTube. Et ça reste ma chaîne YouTube. Je parle au passé, je sais pas pourquoi je parle au passé. Parce que moi ma priorité en gros c'est ma chaîne YouTube, tout simplement. Et voilà, donc j'ai toujours priorisé ma chaîne YouTube à la team. Donc ça c'est un petit peu mon erreur, hein, ça c'est clair. Donc en gros je leur accordais pas de temps. Mais d'un autre côté ils m'en accordaient pas non plus. Quand on était tous connectés et tout, on jouait jamais ensemble et tout ça. Donc en gros voilà, j'ai vu que c'était un beau projet. Ça partait en tout cas d'un beau projet. Mais que la réalisation était un peu moyenne quoi. Donc vu que ça m'allait pas, je suis parti. Ça me faisait plus perdre de temps qu'autre chose en fait. Ça me, du coup j'y pensais, je me disais ouais là faudrait que je joue avec eux, machin, enfin, truc comme ça. Mais en fait, personne joue au jeu. Donc voilà, j'ai décidé de partir. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon inventaire? Voilà. Donc j'ai décidé de partir. Parce que ça n'apportait rien à personne, cette histoire de team.
Donc voilà, en gros c'est un peu l'histoire. Après, pour vous dire un petit truc qui s'est passé en off quand même, pour un petit détail croustillant, c'est que moi je leur ai proposé quand même de rester en contact pour essayer de s'entraider quand même, c'est pas parce que je fais plus partie de la team qu'on qu'on doit couper les ponts, hein. Non. C'est pas parce qu'on est pas dans le même projet qu'on doit plus du tout se parler, hein. C'est pas ça le truc. Et par exemple, vu que c'est une team qui a envie de faire de la compète et tout, pourquoi pas leur proposer des PP s'ils veulent organiser quelque chose, voilà, quelque chose comme ça quoi. Pourquoi pas leur proposer des parties perso? En vrai, le Deagle, on fout. Pourquoi pas leur proposer des parties perso, voilà, s'ils en ont besoin quoi. Bah, tout simplement, en fait, ils m'ont viré du Discord. Genre, ouais, ils m'ont viré du Discord, donc en gros, on peut plus parler ensemble. Donc bon, je me dis que voilà, c'est terminé officiellement. What? The fuck? What? Un nouveau pompe? 48 de dégâts. Il m'a l'air bien imprécis comme il faut. Hein. Bon, écoutez, on va le tester sur un joueur. Hein. J'avais pas vu qu'il était sorti. Donc attends, il fait 192 dégâts par seconde. Ça fait pas mal, hein. Ah oui. Ok. Bah, go trouver un joueur. Hein. Enfin voilà, en gros, là, c'était pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Et puis voilà, du coup, c'est une page qui se tourne. Même si elle s'était pas trop ouverte, donc bon, ça change pas grand-chose. Mais voilà, c'est ma petite actualité. J'avais ça en tête, je voulais le dire dans cette vidéo. Et en même temps, ben, on va tester ce pompe sur ce mec. Voilà. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai même pas compris ce qui s'est passé. J'ai même pas compris ce qui s'est passé, les gars. C'est quoi cette arme? J'ai même pas compris ce qui s'est passé. Il y avait un autre gars, je crois. Attends. Là, c'est vraiment contact, quoi. Genre. What the fuck? Attendez, les gars. Bon, on va essayer de. Il y a un autre gars là. Je vois même pas où il est. Normal ça? Mais c'est quoi cette arme de ouf? Ouais, je vais certainement mourir. Une solution pas mourir les gars. Et on fuit le combat. Allez, ciao. Salaud. Tu vas te mettre en place, wesh. Bon, on n'a pas pu looter notre kill, c'est un peu dommage. Ouais, regarde-le, ouais. Wesh. Quoi ce pompe? C'est quoi ce pompe? Bon, déjà c'est un pompe qui a l'air utilisable. Du coup c'est à très courte distance.
Du coup, je pense qu'il va nerf le chasseur. Hein. En vrai. Mais ouais, je sais pas. Comme ça, premier abord. Le pompe de guerre, du coup. C'est pas du tout la même utilité, évidemment. Le pompe de guerre, ça reste. Ça reste pour la long range, un peu, pour du pompe. Mais ça reste un bon pompe, hein, le pompe de guerre. Franchement. Et par contre, ouais, le chasseur, là. Face à ce pompe. Est-ce que vraiment il peut trouver sa place? En vrai, je sais pas. Hein. Parce que là, en vrai, il m'a l'air plutôt efficace. Même si j'ai vu que j'ai mis un 12. Après, ça va tellement vite qu'en fait, j'ai même pas vu ce que j'ai pu mettre comme autre dégâts. Mais. Ah ouais, bah j'ai vu. Du coup, il est en bleu, ouais. On va checker, hein. Je pense qu'on va finir la game, on va voir comment on l'utilise. En vrai, je pense qu'il a trouvé comme ça. Ouais. Allez, Sky. Sky Dams Games. Je t'ai foutu un peu dans la merde, du coup. Ouais, mais ça a campé pendant 3 heures. Et bref, voilà, bon, pendant qu'on rate ça là. Ouais, mais des bonnes balles, hein. Alors, donc voilà, en gros, c'est une petite vidéo là pour vous tenir informé de ce qui se passe. Bon. En gros, tout est dit, c'est que. On va le laisser faire son duel. Vas-y, te fais pas fumer. Ce pompe, mon gros, il m'a l'air. Ah, mais gros. Et charge-le, wesh. Ton pompe. Bref. Bon, en gros, voilà, tout est dit. C'est que. Il n'apparaissait jamais sur ma chaîne YouTube. Donc, en fait, ça fera aucune différence. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est que. Que je sois dans la team ou pas, ça fait aucune différence. Donc. Tant qu'à faire, bah ne pas y être quoi. Comme ça j'ai mon vrai nom, je m'appelle Togmar. Voilà. Je m'appelle pas Season. Désolé les gars. Et franchement le. Si vous voyez cette vidéo, les gars de la team, si vous passez sur la chaîne. Oh, c'est vraiment sans rancune, hein. Vraiment. J'espère que vous prendrez pas mal. Mais c'est juste que. Vu que vous m'avez. Vu que j'ai été kick. Instant du Discord, on a même pas pu en parler quoi. Donc alors j'ai quitté la team et zéro réaction. Personne m'a dit au revoir, rien. Donc bon. Voilà quoi. Donc voilà les gars, sur tout le monde est au courant. Ça ne changera pas grand chose du coup. C'est bien ça le problème, ce que je disais. Et on va laisser ce mec finir la game. Sky. Je pense qu'il est bien parti pour gagner quand même. Il a un très bon stuff. Voilà, recharge ton pompe. Pas mal. Il est très long à recharger pour prendre le pompe visiblement. Bon bah il s'est fait éclater. Voilà, super. Bon bah en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et ciao guys !